Bienvenue dans notre enfer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? La vache, c'est une sacrée opération. Je vois que tu inspires le respect à tous ces gens. Le respect, peut-être, mais la loyauté, c'est autre chose. C'est de ça que je voulais te parler. J'ai, disons, un problème à régler. Et ce problème, il a un nom? Oui, Francine. Elle allait devenir ma femme. Si t'as un problème avec ta femme, parle-en avec le barman. Je négocie pas avec les ex-petites amies. Laisse-moi t'expliquer. Avant l'occupation, j'étais contremaître dans une usine de moto. Les nazis ont ordonné de la transformer en usine d'armement pour l'armée allemande. Certains ouvriers ont refusé d'obéir. Ils ont fini là-dessous. Qu'est-ce que Francine vient faire là-dedans? J'ai gardé une liste d'informateurs. Des ouvriers qui ont risqué leur peau pour nous remettre des informations sur la production allemande. Francine l'a volée. Pour la vendre aux Boches. Pourquoi? J'ai entendu des trucs sur Francine et un Allemand. Elle couchait avec lui, dans mon dos. Qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Assez pour nous faire tuer. Elle peut pas s'empêcher d'ouvrir la bouche, entre autres. T'inquiète, je m'en charge. Encore un truc, Devlin. Francine porte un médaillon. Je lui avais offert. Je veux le récupérer. Je vais voir ce que je peux faire. Francine est une chanteuse. Elle donne un concert en plein air, pas loin d'ici. Je veux que tout soit fini, ce soir. Monsieur cherche une nouvelle voiture. Botter le cul jusqu'à Berlin. Thank you.
Voilà le médaillon que tu cherchais. Je suis content de pouvoir m'en débarrasser. Tu as toute ma gratitude, l'Irlandais. J'espère que tu ne laisseras pas des pensées inutiles gâcher ces beaux moments. T'as vraiment aucune sensibilité, Mingo. Merci. Si ce n'est pas l'ange de la mort lui-même, le fond de l'air est frais. Accouche, Mingo. Je suis pas venu ici pour beurrer des tartines. Très bien. J'ai regardé dans le médaillon de Francine. Celui que tu m'as ramené. Je sais. Tu sais ce que j'ai trouvé ? Une photo de toi. Pas de moi ! De ce connard aux yeux bleus. L'Allemand que Francine a attiré dans son pieu. Je t'avais dit, l'adultère, c'est pas mes affaires. Ah. Mais ce mec nous concerne tous. C'est le chef de la sécurité militaire industrielle. Lui aussi en a après nous. Guidé par sa soif de vengeance. Tu es la femme d'un type ? Vas-y, prends le risque. C'était ma femme, pas la sienne. La ferme, Mingo. C'était un espion nazi. Bon, maintenant, reprends-toi. Ce capitaine nazi... Il l'appelle le renard. Il aime la chasse aux résistants. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il découvre cet endroit. Et qu'il nous passe la corde au cou. D'abord, on va le trouver. J'ai déjà envoyé mes meilleurs hommes pour le traquer. Si tu y vas maintenant, tu peux les rattraper. C'est quoi le topo ? On a coincé ce sale nazi, mais ces foutus snipers ne nous laisseront jamais approcher suffisamment près pour finir le boulot ! Merde ! Mingo n'a pas mentionné ses soldats SS. Ah merde ! J'ai déclenché une fuite ! Hé ! On a des blessés ! Non ? Non.
dépend de... D'après Luke, vous avez un truc à me dire. La dernière fois, tu semblais peu intéressé par ce que j'avais à dire. Je suis pas venu pour polémiquer, Vittore. Je suis ici à propos de la course. J'ai travaillé en tant que mécano, dans une écurie allemande. Ces boches ont perdu leur langue. J'ai eu vent d'une nouvelle acquisition dans la collection privée du général Eckhart. Et ? Il a l'Aurora. L'Aurora ? Où ça ? Eckhart a un château, au nord de la ville. L'Aurora est là-bas. Et vous voulez que j'aille la récupérer ? J'ai passé la moitié de ma vie à la concevoir. Elle peut battre n'importe quelle voiture en Europe. Tu vas en avoir besoin si tu veux gagner cette course. Elle est unique. Pas de doute, on est sûr de la reconnaître. Pas quand on aura fini de la maquiller. Trouve l'Aurora, ramène-la ici. Ces connards devraient le savoir. Ne jamais piquer la nana d'un Irlandais. Profite tant que tu peux, Eckhart. Elle rentre avec moi ce soir. Qui c'est le patron, soldat ? Ces espèces de connards répondront pas si on frappe à la porte. Faudra que je la fasse sauter pour passer.
Je me sens un peu tout nu, là. Bébé, si on sortait d'ici. La dame est avec moi! C'est un peu comme si je retrouvais un enfant perdu. Elle est toujours aussi magnifique. Les Boches voulaient pas s'en défaire. J'aimerais tant que Jules soit là pour voir ça. Prends ma trousse à outils. On a du travail. La voilà, patron. Je crois que je suis amoureuse. Rolf Baker? Ta nouvelle identité. Tu vas te faire passer pour un pilote allemand amateur. Mes amis à Londres ont tout arrangé. Et maintenant? Je suggère que tu commences à t'entraîner. Tu n'auras qu'une seule chance. Et le deuxième ne gagne rien.